je félicite le Figaro d'avoir levé le lièvre, parce que dans le monde où l'omerta, en France, où l'omerta règne, bien cette information n'aurait pas été passée. Le père de l'assassin se glorifie son fils, disant que cet acte a remboursé la dette de tous les musulmans, hein, ce qui est absolument affolant, et je suppose qu'il continue de bénéficier de toutes les aides sociales que la France déverse sur les gens qui lui crachent à la gueule. Donc c'est ulcérant de voir que rien ne change et que les assassins peuvent continuer de mener grand train. Ce qui est tout aussi remarquable, c'est que un an exactement après le crime de la basilique de Nice, eh bien, on arrête de nouveau un ressortissant tunisien de 26 ans en situation irrégulière qui fait des menaces de nouveau sur la ville de Nice. Par contre, on note en même temps que le ministre de l'Intérieur, lui, dissout une association de jeunes qui étant régulièrement attaquée par les gauchistes est forcément condamnée, hein, puisque aujourd'hui on condamne les victimes au lieu de condamner les criminels. On vit décidément dans un drôle de monde. D'ailleurs, je vais me permettre de vous parler de quelques faits d'actualité, parce qu'ils sont quand même remarquables. Vous savez que on nous parle beaucoup du climat et on nous a parlé depuis des années du réchauffement climatique. Eh bien, le grand réchauffement, c'est fini. D'ailleurs, il n'a jamais existé. Ce qui existe aujourd'hui, c'est le dérèglement climatique. Et ça, c'est vrai que ça existe et qu'on commence à en parler. Et le dérèglement climatique, c'est le remède que met en place la Terre pour lutter contre les excès de température, justement. Donc, parce que la Terre, c'est un organisme vivant et ça a des facteurs d'adaptation aux errements des hommes, ce qui n'empêche pas qu'il faille régler les errements des hommes. Mais ce que l'on oublie de dire, et je pense que dans l'avenir, un jour ou l'autre, on le dira, c'est que le fondement de la pollution et le fondement du dérèglement climatique, c'est la surpopulation et les mouvements de population. Et alors que le nombre d'Européens diminue, la population européenne augmente parce que toute l'Afrique est en train de débarquer sur le sol de l'Europe. Et il est bien évident qu'en faisant cela, eh bien, ils amènent la pollution et qu'ils amènent également un tas de choses différentes comme les moustiques. Hein, il y a le moustique tigre et tous les autres qui amènent des maladies aussi, mais qui amènent des maladies du fait de la surpopulation, parce que le moustique tigre transmet la maladie effectivement en prenant le sang de quelqu'un malade et en le donnant à quelqu'un qui ne l'est pas et en transmettant ainsi la maladie. Mais s'il n'y avait pas surpopulation et s'il n'y avait pas des porteurs de ces maladies-là, le moustique tigre ne pourrait pas le transmettre. Mais ça, on oublie de nous le dire, parce qu'en fin de compte, nous vivons sous le règne du mensonge. Encore le règne du mensonge, si vous m'autorisez, si je ne suis pas trop long, c'est que on nous avait annoncé que l'Europe et la privatisation allaient faire baisser les prix du gaz et de l'électricité au profit des ménages et de l'entreprise. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est exactement le contraire qui arrive, et une explosion du prix de l'énergie, une explosion du prix du gaz, une explosion du prix du pétrole, une explosion du prix de l'électricité. Donc nous mettons au pouvoir des gens qui, d'une manière systématique, nous mentent et contribuent à détruire notre économie. Bravo M. Macron, je vous félicite. Une dernière goutte sur le gâteau, si vous me permettez l'expression, c'est que l'État, non seulement ne diminue pas le nombre de fonctionnaires, même s'il en parle avant chaque élection, mais il délègue ses compétences constamment en arrivant à détruire l'outil public. Hein, ainsi, je l'ai appris aujourd'hui avec un certain ébahissement, cela fait 10 ans que l'État délègue l'octroi des visas en Afrique du Nord à des sociétés privées. Vous voyez un peu tous les abus que cela peut mettre. Et il n'y a pas que ça, c'est que le monde hospitalier est malade. On sait qu'aujourd'hui,
une partie importante de lits sont fermés. Hein, sous Covid régnant, au lieu d'augmenter les lits de médecine, on les diminue. Il y en a 20% qui sont fermés. Et on externalise. Hein, on externalise, c'est-à-dire au lieu d'embaucher des médecins, on prend des médecins qui sont déplacés et qui sont payés 4 ou 5 fois plus cher que les médecins et les chirurgiens qui sont embauchés par l'hôpital. Vraiment, sur tous les dossiers, on est ébahi de voir la décomposition de la société qu'organise le jeuniste Macron. Hein, on a voulu un président de la République jeune, on l'a, et on voit, il s'amuse, et il joue, hein, il fait des expériences, il essaye ça, puis il essaye le contraire, il dit ça, puis il dit le contraire, et tout ça au nom des bons sentiments. Donc, il y a de quoi être inquiet, il y a de quoi être soucieux, et il faut réfléchir à ne plus voter n'importe comment, mais à voter pour des gens qui ont le souci du bien commun. Il n'y en a pas 50, je vous conseille de voter pour Éric Zemmour. Merci.